L'apparition de Meghan Markle sur la couverture de Time Magazine, avec son mari, le prince Harry, laisse présager un avenir politique, selon un grand expert royal. Le duc et la duchesse ont été inclus dans la liste des 100 personnes les plus influentes de 2021, du Time Magazine. Et le commentateur royal Richard Fitzwilliams suggère que Meghan est dans une position privilégiée pour lancer une carrière politique. Il a tweeté. Le prince Harry et Meghan Markle font partie de la liste 2021 Time 100, mais félicitations à eux pour avoir fait la couverture de Time. C'est un exploit considérable. Cela montre la puissance de leur marque. Cela indique un avenir politique pour Meghan. J'espère qu'ils utiliseront ce succès à bon escient. Les Sussex se sont retirés de leur rôle de membres seniors de la famille royale en mars 2020. Ils vivent actuellement en Californie, l'état d'origine de Meghan, situé au nord de Los Angeles. Harry et Meghan figuraient sur la couverture de l'édition du Time Magazine présentant sa liste des 100 personnes les plus influentes de 2021. Meghan, vêtue d'une tenue entièrement blanche, est photographiée devant Harry qui porte une chemise brune élégante. José Andrés, fondateur de World Central Kitchen, a écrit un bref article justifiant leur inclusion. Il a déclaré, « Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu'il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne se contentent pas d'exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte. Ils transforment la compassion en bottes sur le terrain grâce à leur fondation Archewell. Ils donnent la parole aux sans-voix à travers la production médiatique. Point. Point. Parmi les autres figurants sur la liste Time 100 figurent la chanteuse Billie Eilish, la gymnaste Simone Biles et le militant de l'opposition russe Alexei Navalny. Monsieur Fitzwilliams n'est pas le premier commentateur royal à suggérer que Meghan pourrait lancer une carrière politique aux États-Unis, où la célébrité peut être un tremplin vers un poste politique. Écrivant pour The Sun, le biographe Tom Bower a suggéré que la duchesse pourrait se présenter aux élections en Californie, puis briguer l'investiture démocrate à la présidence. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.